Mesdames, demoiselles et messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis très ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour ce nouveau numéro, ce nouveau magazine où nous allons encore parler de la République démocratique du Congo. Je dois d'abord me dégager avec cette charge qui est devenue un peu lourde parce que mon téléphone ne cesse de sonner. Beaucoup de gens se posent les questions « Où est-ce que je suis passé ?» Je suis en train de vous rappeler que je suis dans un projet qui va m'éloigner petit à petit de Contact Pro Live. Mais Contact Pro Live ne va pas disparaître, c'est parce qu'il va continuer à exister avec le nouveau projet que nous lançons l'année prochaine vers le mois de mars. Et cela me demande le temps, ça me demande beaucoup de réflexion, beaucoup de travail pour préparer ce projet-là. Donc nous aurons l'année prochaine au mois, à partir du mois de mars, Contact Pro Live qui reviendra tous les jours. Et puis il y aura aussi ce projet-là qu'on va commencer à lancer doucement. Ça sera toujours sur les réseaux, ça sera quelque chose de très bien, ça sera le direct où nous allons parler ensemble et puis réfléchir ensemble sur beaucoup de sujets. Donc, merci pour tous ceux qui sont en train de m'appeler. Merci pour tous ceux qui se soucient de moi et qui se posent les questions. Est-ce que j'ai laissé? Non, je suis dans le combat. Nous sommes en train de réfléchir. Il y a des gens même qui sont à Kinshasa qui m'appellent pour éclaircir un peu sur cette idée ici des états de lieux sur le territoire. Comment est-ce que ça peut se faire? Et je prends beaucoup de temps à parler aux gens, à parler de cette idée-là qui pourra, à son terme, arriver à rassembler le peuple congolais et à arriver à avoir cette unité nationale. Et là où nous pourrions, en tout cas avec 95%, obtenir souvent les consensus dans le peuple et terminer les interminables discussions, qui fait quoi, qui... Nous aurons, après les états de lieux et la réunification du pays, nous aurons à réunir le pays et à se connaître, à apprendre à se connaître, surtout à travailler ensemble pour le bien de notre République. Donc, c'est ça qui... je suis en train de faire pour que vous ne puissiez pas vous inquiéter que est-ce que j'ai abandonné le combat. Non, jusqu'à la mort, nous resterons ici, nous sommes encore là. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? L'actualité est tellement abondante. Nous avons vu que la Constitution a été bafouée, mise à côté. Et le pays, comme j'avais dit dans l'ancien numéro, donc le dernier numéro, que le pays est en train d'être dirigé au gré des événements. On n'a jamais planifié quoi que ce soit. Le pays est là. Et ce sont les événements qui comptent. Ici, la grève des enseignants, on essaie de résoudre. C'est la guerre à l'Est, on met l'état de siège. On fait ceci, on apporte des solutions qui ne sont pas durables. Et toutes ces solutions sont en train d'être vouées à l'échec. Alors, nous allons nous poser la question sur l'argent de la République. Est-ce que la République démocratique du Congo a besoin d'argent ou a besoin de s'organiser? Nous allons parler de ça. Nous allons parler aussi des réalités, les révoltes qui arrivent. Nous allons parler de ces chansons révolutionnaires qui prennent maintenant beaucoup d'ampleur. Donc, trois sujets que nous allons développer dans ce magazine d'aujourd'hui. On va parler pourquoi les rétrogrades de l'enseignement. Nous allons parler l'échec de l'état de siège. Et nous allons parler de l'argent Mbongo à République des Mots. Est-ce que la RDC a besoin d'argent ou il a besoin de l'organisation? Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet, justement pour vous rafraîchir, que nous ne nous éloignons pas de l'actualité, mais nous voyons l'actualité dans la Constitution. On se retrouve tout de suite après.
Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Dossier Bukangalonzo, Matata Mponyo conteste la compétence de la Cour constitutionnelle. Et puis, à deuxième réunion ministérielle, UA et EU, Christophe Lutundula appelle à relever les défis communs et renforcer les liens commerciaux. On va sur actualité.cd. RCD Sénat auditionné à la commission relations extérieures, Christophe Lutundula rappelle la nécessité de doter son ministère de moyens conséquents. RDC Rutshuru, l'armée a récupéré toutes les positions de main de M23. On va sur Congo profond. Ituri, arrêté fin août, dernier, Changaruki à Kavugo, belle-sœur de Djamil Boukoum, est au service des ADF depuis plus de 20 ans. EPST, 81 000 enseignants, nouvelles unités, enfin alignées sur la listing. 7 sur 7, le procès aussi Mukendi, la plaidoirie prévue au 22 novembre. Et puis, toujours Matata Mponyo. Et puis, le centre culturel et artistique de Kinshasa sera inauguré en septembre 2023. On termine par Radio Okapi. Kwilu, 286 enfants décédés en 3 mois d'une nouvelle maladie inconnue. Le député Ayubangira Safari déplore les attaques du M23 à Rutshuru. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand nous disons que le pays est dirigé au gré des scandales, au gré des événements, bazobeta masasi kuna toluki moyen to bongisa auto sala to luka solution kuna na este oh babandi baleki kotoyo to problème ezanini. On cherche à résoudre ce qui se passe, on ne prévoit pas. Alors biloko nyonso euti wapi bandeko bona kokende na premier point, biloko nyonso oyo, où est l'origine de tout ce mal? Batumsusu, selon d'autres personnes, que c'est parce que le président n'a pas cette carrière-là d'être président de la République. Le président a été désigné, il n'a jamais été préparé à diriger le Congo. Ça, c'est d'un autre point de vue. D'autres personnes disent que non, l'incompétence des dirigeants, donc nos dirigeants ne sont pas compétents pour diriger notre pays. D'autres personnes disent que c'est le système. Batumsusu, donc, il y a cacophonie. Batumsusu, balobi, non, il faut qu'on aille aux élections, il faut que nous ayons cette habitude d'aller aux élections. Mais ça fait 3 cycles des élections qui est en train de se faire, mais on ne sent absolument rien de changement. Le pays est en train de se dégrader, et ce n'est qu'en décadence. Balkanisation est à notre porte. Babylon Konyoso, toutes les lampions verts pour la balkanisation sont là. Mais on ne parle pas dans la balkanisation. On a frôlé la balkanisation en 2006 lorsque Kabila est arrivé au pouvoir. Ça, nous le savons. Donc, Mbokanabiso est ok. Alors, aujourd'hui, d'un côté, Tolobelana nous dit qu'en état de siège. Nous remarquons que nous avons deux langages. Batumsusu o bazako supporter balobi non, la solution c'est l'état de siège. Bandeko, l'état de siège dans sa forme na ndenge zalaki conçu zalaki répertorié na la constitution na biso, ba état de siège na ba état d'urgence, ce sont des mesures fo ezaba eloko moko etiama cap dans un laps de temps. Et à la situation pas normale, donc c'est une situation d'exception où tobeti maliko fina table tolobi fini tokosi lisayango et koki kozala jamais état normal comme nous tendons à le dire aujourd'hui que non, état de siège on est à côté kuna ekosi la kati mukolo baba tuerie ekosi la. Mais entre temps, quels sont les mesures que nous mettons en place pour que Babylon connaisse là.
Et le peuple est en train de constater qu'effectivement, il y a cacophonie de l'autre côté. Les choses ne semblent pas être dans la direction de trouver des solutions. Le massacre doit continuer, l'ennemi n'est pas identifié, l'impréparation de cet état de siège, Babylone est belé. Mais les gens qui sont dans le camp, il y a le président de la République qui lui donne le soutien aveuglément, ils sont en train de tout applaudir. J'ai regretté notre confrère, notre ami, un grand journaliste que vous connaissez, il est en train d'angéliser Félix Tshisekedi. Tout ce qu'il fait, c'est bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Et on demande à l'opposition de venir avec des propositions. Vous savez que... Il y a un peu de temps où il y a un peu de cacophonie. Les gens qui sont au pouvoir disent aux autres que vous ne pouvez pas parler parce que vous aviez dirigé pendant 18 ans, vous n'avez rien fait, vous avez laissé le pays en moule, laissez-nous faire les choses. Nous commençons à voir des initiés qui ne veulent même pas ce que les autres ne puissent pas parler. Ce qu'on a dit, c'est la constitution. Pourtant, la constitution, comme j'avais toujours dit, elles ont donné à tout le monde et la constitution elle-même dit à ce que tout peuple congolais devra savoir ce qui se passe dans la constitution. Mais ce qu'on me dit, ceux qui sont au pouvoir vont vous dire que non, bino ozana likambo kolobate. Et ce sont les mêmes personnes qui commencent à dire le langage moussous à koloba que non, boyana ba proposition. Finalement, on ne comprend pas ni yango ezako salema. Le même gouvernement, le même gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, lorsqu'il y a échec à Likambo et à Nania gratuité à enseignement, et commis problème. Oh non, on avait bien dit ça. Tonoba qui Likambo depuis Kalake, non. Bama Kambouambo Kanabiso, Tozo Kende na direction à Mabe, Toko Zouaka jamais solution. C'est pour cela. Tout ce qui sera entrepris dans le modèle Oyo, Nathan Oyo, et que vous allez vouer pratiquement à échec. Pourquoi? Parce que, tu m'as vendité, tu m'as vendité, tu m'as vendité, tu m'as vendité. Je crois que tu m'as vendité, tu m'as vendité, tu m'as vendité, il faut que tu m'as vendité, tu m'as vendité, place nini ango kote kuna mango ngomba ezali tokosala to aborder courbir wana ndenge nini comme ça lorsque les événements arrivent nous avons des solutions. Aujourd'hui nous constatons que le gouvernement en place, les gens qui sont dans le gouvernement ou qui dirigent aujourd'hui n'ont pas de solutions et de ce pays, ils ne font que réagir na ndenge à loma et kosalema. Vous déclarez l'état de siège, état de siège en gros, vous préparez en côté, vous avez besoin de tout ça. C'est de la cacophonie. Ça appartient à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de se rendre compte qu'ils sont en train d'aller dans une mauvaise direction et il faut corriger. Donc, Babylone Cornios, ce qui est au lobby, c'est que, par exemple, c'est on a cité là qui est au. Prenons encore un exemple. Oh, ils ont collé ça que non. Bah, ma cambo, oh, ils ont salé ma siko. Mon cannabis au kobuja tana ndenge ya kukende libosote. Par contre, tu kubanda ozonga akasi. Bandeko, vous pouvez imaginer par exemple, le président de la République était parti à Kasindi là-bas avec le président du Ouganda. Bah, lobi non, tozo banda, toko tonga, balabala. Moko eko uta soki Kasindi ti Beni de Beni msuso eko kende ti Isiro eko kende ti Goma tout ça. Le projet était là. Mais la République, biso République démocratique du Congo, tozata na ide mon côté, tozata na boule mon côté. L'Ouganda nous a envoyé dans cette histoire là et le président est parti va poser première pierre. Jusqu'aujourd'hui, eloko moko ate sale. Ata pioche a pamba bandeko. Eloko moko sale mate. Tout ça pourquoi? Parce que toza ko sala dirige au gré des événements. Oh, tokende soki na tokende luka ba investisseur. Est-ce que les investisseurs viendront dans un pays où il n'y a pas de désordre, il n'y a pas d'ordre? Aujourd'hui, il y a un certain engouement, beaucoup d'Européens, beaucoup d'Asiatiques, des Américains veulent à ce que tu n'as qu'un Congo. Pourquoi?
C'est parce qu'il y a du désordre. Parce que KO est allé kuna, on peut pas aucun profiter na KO wana. C'est reconnu mondialement maintenant que nous ne sommes pas organisés. Par exemple, les Ebele Awa, nous nous posons la question gratuité et enseignement sikoyo. Et on a bien dit, non, la constitution dit, apprenez que non, il faudrait gratuité et enseignement. Bandeko, tu as une gratuité, tu as un modèle, tu as une place, tu as une parce que nous disons gratuité, gratuité. Nous devons apprendre à prendre des mesures et subir les conséquences de, disons, quadriller toutes les options pour la réalisation de ce que nous voulons faire. Tokobanda okendeka bouluyeke. Au état de siège, déclarer état de siège. Programmation moko ezate, intelligence na biso e fonctionne kata mukete eloko moko ezate. On se pose la question finalement tozo kende wapi président oyo chaque jour on ne sait pas ce qu'on va faire demain. Toi bakate eloko nini ko sale malobi. Or dans un projet quelqu'un qui vient à la présidence de la République s'il avait la solution bande ko bo excusez ngai. Je ne suis pas contre Fachi, je ne suis pas contre le régime actuel, mais les faits sont là qui nous montrent que Toko Sala est là comme mon côté avec Batou Obazana pouvoir les lots. Et là comme mon côté le maté. Même si nous allons aux élections, les élections n'est qu'aux ala biaisé, qu'aux ala toujours, il y a tricherie parce qu'il faut conserver le pouvoir. Allons-nous continuer dans le même cercle vicieux? Kabila peine en 2006, il a fait ces histoires-là parce qu'il voulait rester au pouvoir. Yo bino pe bolingi kakabotika la na pouvoir pendant jusqu'à. On peut vous laisser ce pays-là. Mais avantage za nini bandeko. Po bino bo banda okendo somba ba banda kuna poto mebo boza la bien mais population continue kokufa. À l'est, on se pose des questions. Pourquoi nous? Pourquoi est-ce que biso tozo bom bazo boma biso boy? La population regrette. La population se pose la question finalement. Tozana va conzio, tozana va consiter. C'est pour cela, l'autre fois, je disais, il manque un courageux. Il manque un courageux. Nous sommes arrivés à un moment où, net en 96, tozana président Mobutu, Aza Penza, Makasi, Azalaki na Bilo Konyos, Azalaki na armée, l'armée était en carton. Bandeko, dans les jours à venir, nous allons commencer à prendre Babilo comme on est des témoignages. Il y a Batoyo, Bassista qui, comment est-ce, comment l'AFDL et Kota qui na Congo. Moi-même, je suis donc un témoin. Au journal Djoua, monteur, j'étais monteur, pas journaliste, mais monteur, nous avons demandé qu'on soit la mise en page du journal Djoua, en 1995, 94, 95, tant qu'on va réfugier à Kota qui est dans Rwanda, tiré à Fdele Koti. Donc, Babylon, quoi, on a toyé,
Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La même situation, tension et la population Zali. Situation est comme Imabe, tout ça, mais nous ne songeons pas. Nous ne voulons pas chercher des solutions adéquates dans le problème à l'élo. Nous nous fions à ce qui se regarde. Batunyo Sobazota, si connu. Oh non, constitution, le bac qui gratuité enseignement. Oh, que ton tiers gratuité enseignement. On ne prépare rien. Regardez le gouvernement. Aujourd'hui, na bande ko yeb sabino na lobby. Batumi msusu ya bakasi ki ya IDPS baza ko benga ngaba tu na ngai makambo ya 145 territoires. Faudrait-il commencer à financer les projets na ba 145 territoires? C'est bien beau. L'idée est bonne. Bandeko, mais il faut que jifunza. Il faut étudier cette histoire-là, comment la faisabilité. Et le projet est là. Vous voulez miroiter aux gens, vous voulez dire que nous allons investir dans les 145 territoires, ça ne suffit pas. Et nous avons vu le premier ministre aller au Bandundu là-bas, aller inaugurer ce qui puis Yamai. Ce n'est pas ça l'idée de financer les 145 territoires. Bandeko, où est le problème aujourd'hui? Le problème se retrouve dans notre constitution et, le système dans lequel nous sommes. Dans le système où il y a comme ma biso na liberté, le système où il y a comme ma biso na voie de sortie. Et ça passe parce que le système où il y a kokanisa que pouvoir nyon soit fois à l'épaire mutumoko, mutumoko à cause de la mbongo, mutumoko à cause de la mbongo. Parce que l'argent que le président a sigé au Yalkoloba, est-ce que le pays a besoin d'argent? Oui. Je ne peux pas dire non, nous n'avons pas besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Mais bon, on a autant de besoin. Et qu'on a besoin de sikoyote. Atato sengi mbongo libanda. Sikoyo, ce qui t'a dit mbongo, on a ça là, là, comme côté. C'est pour cela que vous allez voir. Ba aide nyoso, ba mbongo nyoso ezo uta libanda e kosa la pe eloko moko te. Hier j'ai appris que non, soki na président de la République a senga ki ba réaménager nani budget à l'État, parlement réaménager budget à l'État, ba SMP komatisa. Attendenge wana, je vous dis encore une fois de plus, à cette date nous sommes le 14. Le 13 novembre, retenez cette date. À date, on commis à 20 milliards na budget na biso mboka na biso ko bonga kate. Pourquoi? Parce que ce système est biaisé déjà. Nous devons changer le système. Solution mboka na biso, faut changement à système carrément. Et il faudrait que le pouvoir rentre na bakolo nango. Bakolo na ngo batu nini? Batu na batu baza na place na bango, il faut pas se sentir que non. Nous pouvons sanctionner. C'est ça le modèle congolais que moi je dis que tokoki ko copier batu mususu mususu te. Le Congolais est arrivé na niveau ya ko copier ka le système sud-africain te. Non. Les lois oh, il faut que toi adapter situation système moko oyo oh, ya ko pesa vraiment pouvoir dans les communautés de base. Yamona nazo lo banabi notre salut nabiso lelo eza ko reconstruire ba base ba unité ba secteur plutôt na ba groupement. Il faut que ces gens là puissent avoir du pouvoir, c'est-à-dire que ba classe politique o eko kendeti nanani na parlement ya gouvernement central baza la répertorier ba yeba na base. Nous avons une mauvaise conception et à base. Bandeko, c'est ça que j'ai dit, que le pays n'a pas besoin d'argent maintenant. C'est là où j'ai dit non. Pour l'instant, nous avons besoin de nous organiser. Tout break na ndeba lobaka, tout se stopper na tout loba. OK. Likamuni na ngwezo sale maté. C'est comme ça que nous, ici à Contact Pro Life, nous réfléchissons dans le sens à koloba. Mettons-nous d'abord d'accord. Comment est-ce que nous pouvons trouver un consensus national, une réconciliation nationale avec nous-mêmes, avec le peuple congolais? Ça ne doit pas venir de Kinshasa, ça doit venir de la base. Donc, dans le groupement, dans le secteur, dans le territoire.
C'est là où nous devons réécrire notre constitution qui est biaisée pour dégager une nouvelle, un nouveau système. Système Asika, où est qu'on marche dans le Congo et Zandengenini. Et c'est là où je me suis dit, et je soutiens que Batubaza Koyo Kangai ne va l'ingika à Gono pour financer les 145 territoires. Non! Avant que nous commencions le financement de ces 145 territoires, les gens qui sont au pouvoir, avec l'argent qu'ils ont aujourd'hui, nous avons besoin de cet argent-là, justement pour financer les projets dans les 145 territoires. Mais on ne va pas aller dans les 145 territoires, on vous dit, bon, nous allons construire la route comme ça. Non, ça doit être une émanation de la base. Batutangu bakovanda. Bakoyeba, problème est ça nini awa. Est-ce que c'est l'administration? Est-ce que ça va nzelande za mabe? Est-ce que maïnde za problème? Parce que bakote moussousou, naturellement il y a de l'eau. Et ça nzalate moutou, et ça koboma batouna ba province, non. Les provinces peuvent s'autosuffire. Bakote moussousou, et ça nzala. Mais batouana, tangou bakovanda ensemble balobi bandeko, qu'est-ce qu'il nous faut pour que tout s'il s'anzala? Et pas Nabisso. Et que la communauté de base doit réfléchir dans ce sens-là. Batuna batuna ndenge na bango. Ce n'est pas que un mukusu akende kovanda na musingombe ya Congo central abanda ko réfléchir comment Congo central nde muto ekozala comment ils vont sortir à ce. Le mukusu di Maniema va rester au Maniema en disant que non, awa problème Nabisso zanini. Oui, c'est vrai. Mais chacun a sa place où Nzambe a yebisa ke awa nde mabele na yo. Tant que les Congolais ne reconnaîtront pas cela, eloko moko pe ekosala makate. C'est ça que je dis. Le territoire doit être le base de notre démocratie. Lorsque dans le territoire nous pourrons avoir un consensus ya batuba yokani bazui ba programme na bango balobi awa na territoire par exemple ya Beni toza na problème ba balabala na biso pona ko évacuer ngo ezala kabo. Mais comment est-ce que nous pouvons nous organiser na sécurité na biso na nini? Quels sont les programmes quinquennal na ba territoire na biso otokosala awa en fonction de nos richesses? Biloko wana réflexion na tant to ko remettre ngo na ba base. C'est sur ces réflexions là que nous pourrons maintenant aller avec au niveau de la province et de chaque province token en Mosikoyo na niveau national. À ce moment-là, ekozala émanation ya batunyos. Mais maintenant, le pouvoir devra être exercé. Comment? Ba degré à pouvoir na base, il faut ezala makasi sur l'application de la justice, la sécurité, parce que batuna batu, il faut bailler que non, nous sommes en charge de notre territoire. C'est nous toujours que on a commencé la biso te tant que biso ton dimi que ya commencé la biso ya ngombo mona ki na tiaka ba video moko a côté ya ici kuna na nani na village moko ba chinois ba envahir kuna. Les administrateurs actuels vont commencer à dire aux populations non, les chinois vont exploiter. Tu vois maintenant c'est non nationalisme ne mutoza ko Koko bimana katia batu. Batu ba combien veillé, ne vous en faites pas. C'est comme ça que quelqu'un a dit, il sera difficile à ce que même Félix Tshisekedi, ce qui toke boye, na ba élection en 2023 longa. Il est grand temps qu'il puisse se dire, ba élection comme ma biso et l'on place mon côté. Et il en a pratiquement, il en a le moyen, il en a le pouvoir. Mais pas avec tout cet entourage qui est en train de lui faire croire que non, Mbongo kakande mtoko sala boy. Soit tozana mbongo, nous allons faire tout ce que nous voulons. Non! Nous devons aspirer à ce que les Congolais puissent avanda à kolisa makanisi ya ko se prendre en charge. Et je veux m'arrêter là aujourd'hui, tout en espérant que vous m'avez suivi. Et vous allez continuer, s'il vous plaît, à vous abonner. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous sur notre chaîne. Continuez à partager nos émissions. Il y a une petite cloche là-bas. Et là, on a beau cliquer en haut pour que vous allez aviser. Comme nous ne sommes plus réguliers chaque jour, mais cloche est qu'on servir autant que vous avez une émission et qu'on servir dans l'alerte que nous avons une émission. Donc, ça, et qu'on peut faire une alerte, reminder, comme
comme on dit en anglais. Donc, quand vous vous abonnez, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche là. Cloche, on a découpé ça, comme nous venons deux ou trois fois la semaine. Donc, tant on a côté émission qu'on avertit déjà que non, Germain Hazan en live ou bien notre émission à Sika. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui sont en Ouganda, spécialement les amis qui continuent à m'envoyer des éléments. Nazana, l'élément est belé, donc je suis, comme je suis encore aussi dans le projet Omsusu, na komi kozala un peu déstabilisé quoi, mais na kosa l'effort que et l'eau qu'on y a, donc na ya kata deux fois par semaine, au maximum trois fois par semaine, parce que le projet on a tout relancé l'année prochaine, et ça kozwanga temps est belé. Alors, merci beaucoup, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.